Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, les commerçants de Pont-l'Abbé en colère et puis crise politique à la mairie de Guipavas. Julie Sicot, bonjour. Bonjour Pauline. C'est vous qui nous parlerez de cet étonnant communiqué de la majorité qui demande au maire de démissionner. Et puis focus aujourd'hui sur un sport étonnant. Le football gaélique. Côté sport, justement, nous enchaînerons avec la Coupe de France de bodyboard. Ma première étape a lieu à Plouzané ce week-end. Pour en parler, Romain Arzel. Bonjour, bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes membre du Minou Surf Club. C'est ça. Et on vous retrouve tout à l'heure donc dans l'Instant Sport. Notre invité du jour a pondu un projet innovant à Landerneau. Ça s'appelle La Poule et c'est un groupement d'employeurs. Une petite révolution pour le travail partagé dans le milieu de la culture et de la création. Muriel Avril, bonjour. Bonjour Pauline. On a hâte d'en savoir plus sur La Poule, ce sera tout à l'heure. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 21 mars. Et on démarre à Pont-l'Abbé avec la colère des commerçants. Ce lundi après-midi, ils étaient une cinquantaine à manifester contre la taxe locale sur la publicité que souhaite instaurer la municipalité. Les manifestants ont occupé la mairie une partie de l'après-midi avec une brève rencontre avec le maire. Retour sur cette journée animée en Pays Bigoudin avec Frédéric Lorenzon. La TLPE ne passe pas à Pont-l'Abbé. La taxe locale sur les enseignes et les publicités est vécue comme une persécution par ses chefs d'entreprise et commerçants bigoudins. Le maire pensait à pouvoir venir nous prendre 30 000 euros sur l'ensemble des commerçants et des entreprises de Pont-l'Abbé. Ça veut dire que pour chaque entreprise, ce n'est pas une grosse somme ? Non, enfin, ce n'est pas une grosse somme. Au départ, on était quand même à plus de 12 000 par entreprise. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir des amateurs gérer une mairie et de venir taxer les chefs d'entreprise qui, je rappelle, créent la richesse. Nous, on va avoir dans les 1 000 euros à peu près. On a marre d'être taxé, on travaille tous les jours. Aujourd'hui, on n'arrive plus, quoi. C'est difficile de gagner de l'argent et en plus on nous taxe de plus en plus. Et puis voilà, quoi, c'est à cause de ça, quoi. On commence à en avoir marre, quoi. Ce lundi, ils ont décidé de quitter leurs affaires pour manifester jusqu'à la mairie, responsable de l'instauration de cette taxe. Une mesure qui touche les enseignes de plus de 6 mètres carrés et devrait rapporter entre 30 et 50 000 euros par an à la commune. Une délégation est reçue brièvement par le maire, mais le rendez-vous tourne court et se transforme en échange musclé. Le maire maintient sa position. Non, je reste si j'ai envie. Hein. Attendez, vous rigolez, mais vous ne barrez pas comme ça, monsieur. Le 2 juin dernier, le conseil municipal a décidé de maintenir la TLPE en réduisant des deux tiers le tarif. Et donc je suis tenu par cette délibération du conseil municipal et je maintiens la TLPE. Quelle somme ça vous rapporte ? Je sais pas, on n'a pas fait de signe. Vous avez même pas, vous savez même pas. Après quelques minutes d'échange houleux, le maire se replie dans son bureau. D'abord, je ne peux pas rester insensible à cette protestation. Bon, bah, elle est louable, hein, parce que bon, bah, ces commerçants vont être taxés, etc. Je comprends aussi que les temps sont durs, mais je le dis, l'esprit dans lequel on a mis, donc c'était par rapport à l'environnement. En fin d'après-midi, les manifestants maintenaient leur occupation en mairie. Voilà, les manifestants ont quitté la mairie peu après 17h. Et puis, c'est la crise politique à Guipavas. Guipavas, 14 000 habitants, commune de Brest Métropole. Le maire serait poussé dehors par ses propres élus. Mais Julie, qu'est-ce qui se passe à Guipavas ? C'est pas évident à raconter. Alors, tout est parti d'un article d'Ouest France publié ce samedi titré « Le maire poussé vers la sortie par des adjoints, point d'interrogation ». Dans cet article, on apprend que le maire serait en butte à une fronde de certains élus de sa majorité. Et on apprend également que son adjoint à la finance est également vice-président à Brest Métropole, Christian Guyonvar, souhaiterait prendre sa place. Alors ça, c'était samedi. Dimanche, un communiqué signé de Guipavas Solidaire, le groupe de la majorité réagissait à cet article. Un communiqué que n'auraient pas, apparemment pas signé tous les adjoints. Et dans ce communiqué, on pouvait lire « En conséquence, nous avons été contraints de demander au maire de laisser sa place et nous le déplorons. Seul argument avancé, des désaccords fondamentaux existent entre le maire et le groupe majoritaire. Ils concernent la conduite des affaires tant sur la méthode que sur les valeurs que nous portons. » Plutôt succinct comme explication, surtout quand on demande la démission d'un maire. Alors depuis dimanche, Julie, on en est où ? Nadine Grimal, la première adjointe, nous a répondu par mail. Elle explique « Nous nous efforçons de résoudre sereinement la situation. Ce n'est pas nous qui l'avons exposée publiquement. Nous sommes attristés de lire les noms de Gurvan Moël, Christian Guyonvar ou moi-même dans la presse, d'autant que nous sommes faussement prêtés des ambitions de putsch. Comme vous pouvez l'imaginer, nous ne voulons pas exacerber ces tensions. En clair,
à l'intérieur du groupe, c'était la discorde, mais il ne fallait pas que ça se sache et c'est sorti dans la presse. De son côté, le maire Burvan-Moi l'a envoyé un communiqué à 18h30 ce lundi. Il précise « Je me refuse de prendre part à tout conflit de nature personnelle car cela ne peut qu'attiser les tensions et engendrer des débats stériles. Si certains ne veulent plus s'investir dans ce projet, je ne peux les forcer à rester. » Alors il n'y a que l'opposition de droite menée par Fabrice Jacob qui a bien souhaité répondre à nos questions. Il a rencontré la première adjointe, justement Nadine Grimal, cet après-midi, mais a finalement appris peu de choses. On l'écoute. J'ai essayé de joindre le maire, bien entendu, samedi par téléphone. Je lui ai laissé un message, je n'ai pas de nouvelles à ce jour. Donc j'ai demandé aujourd'hui à rencontrer légitimement quelqu'un de la majorité, ce qui a été fait. Ce qui m'a été répondu, en tout cas, c'est qu'ils sont surpris aussi de tout ce qui est paru dans la presse ce samedi, qu'il n'y avait pas normalement à transpirer. Donc aujourd'hui, à qui profite le crime, on ne sait pas d'où ça vient, ni eux, ni nous. Donc c'est quand même un petit peu étrange. Les conseils municipaux sont très sereins. Le budget s'est très bien passé. En début d'année. En début d'année. Au dernier conseil. Aujourd'hui, rien ne laisser transpirer de ce côté-là. Aujourd'hui, on n'a pas évoqué le fait de nouvelles élections, le fait de la démission du maire ou pas, ou d'autres adjoints, parce que est-ce qu'il serait le seul à démissionner ? C'est une interrogation aussi. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'éléments nouveaux. Voilà. Voilà, donc rien n'a l'air encore très clair à Guy Pava. On va suivre ça hein, les jours qui viennent. Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage. L'association En Avelvor organisait ce dimanche le forum des loisirs créatifs à la salle Rosavel de Beauhard. Parmi les créations exposées, certaines sont réalisées par des patients de l'hôpital psychiatrique. Les ateliers d'ergothérapie permettent à ces patients de progresser et d'aller mieux. Le reportage de Frédéric Lorenzon. Les loisirs créatifs étaient rois à l'espace Rosevalent à Beauhard, un événement organisé depuis 8 ans par l'association En Avelvor de l'hôpital de Beauhard. Aujourd'hui, c'est 40 stands, une trentaine de particuliers, des stands de l'hôpital au nombre de 5. C'est une façon de mettre en valeur ce qui s'y passe au niveau des ateliers d'ergo et c'est aussi une façon de mettre en valeur aussi la capacité productive et créative des patients hospitalisés. Ces petits objets vendus sur certains stands viennent d'ateliers d'ergothérapie de l'hôpital. Petits colliers, porte-clés, le principal, c'est le geste d'arriver à surmonter la peur de ne pas savoir faire. Se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses pour certains qui se disent pas manuels. Beaucoup se disent pas manuels en arrivant à l'ergot et au fil du temps, eh ben, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses. On retrouve Nicole sur le forum en compagnie de Brigitte, une patiente qui est soignée à l'hôpital de Beauhard depuis plus de 8 ans. Elle, sa thérapie, c'est la peinture. Oui, ça m'apporte justement en faisant un tableau. Quand je l'ai installé, quand je vois les patients qui arrivent et qui sont là, ça leur fait du bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est gay, tout ça. Ben, moi, ça me fait du bien aussi. Ça m'apporte quelque chose. Autre atelier thérapeutique proposé depuis près de 30 ans à Beauhard, la poterie, une activité en train de disparaître, faute de budget. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je suis depuis longtemps, qui fait pratiquement une à deux plaques par semaine avec moi. Je ne vais pas faire de politique ici, ce n'est pas le lieu, mais les réductions budgétaires actuelles sont catastrophiques. Ces activités-là apportent au plus près du patient tout de suite des choses très apaisantes et des choses très créatives. Il y a des gens qui découvrent des créations, qui découvrent la création auprès de la poterie qui sont quelque chose d'incroyable. À Beauhard, 200 patients bénéficient des ateliers thérapeutiques. L'association En Avelvor accompagne ces activités, notamment avec les dons récoltés lors du forum.
Et maintenant, des nouvelles de notre envoyé spécial sur le phare de Thévenec. Marc Pointu vit son 23e jour en solo sur son caillou au large de la Pointe du Raz. Ce lundi, il s'intéresse à la houle qui reste une fois que le vent s'est calmé. Pardon, c'est l'instant Thévenec. Je vous présente aujourd'hui un bel exemple de ce qu'on appelle la houle rémanente, c'est-à-dire qui reste d'un coup de temps qui provient d'une dépression lointaine. Alors comme vous le voyez, la mer aujourd'hui est très calme, le vent est quasi nul, la mer est très belle. Et pourtant, si l'on regarde côté ouest, on aperçoit les ondulations importantes d'une houle de fond qui progresse vers nous et qui bien sûr brise très fort au pied des roches. Et cette houle qui vient de l'ouest fait le tour de l'îlot par le sud et par le nord pour se rejoindre dans cette zone qui est celle du débarquement côté continent. Ce qui en fait une approche très difficile, car à peine vous touchez l'échelle, soudain arrive une déferlante, ou d'un sens ou de l'autre, qui va couvrir la zone où se trouve le bateau, et bien sûr rendre très dangereux le débarquement. Voilà ce qu'on appelle la houle rémanente. C'est une chose que de terre on ne voit pas souvent, sauf être au pied des falaises, bien sûr, côté large, mais qui montre que, vu d'un port, les choses semblent plus simples et sur place, évidemment, compliquées, voire souvent impossibles. De Thévenec, à bientôt. Voilà, c'était Marc Pointu qui, en tout, restera isolé 60 jours sur le phare de Thévenec pour attirer l'attention sur le patrimoine des phares et balises. Ils sont une poignée en Bretagne à pratiquer ce sport méconnu, le football gaélique. Le club de Brest organisait ce samedi un tournoi convivial pour faire découvrir la discipline et recruter de nouveaux joueurs. Des passes à la main, des filets sous les poteaux de rugby, bienvenue dans une partie de foot gaélique. Un sport imaginé par des Irlandais, présenté comme une synthèse entre le foot et le rugby, la pratique est un peu plus complexe, revue de quelques règles. J'aurais plus comparé au foot et au handball, dans le sens où c'est un jeu qui joue très vite, où faut faire beaucoup de passes au sein de l'équipe. Ça, c'est le dribble à la main, mais un seul. Dribble au pied. Okay, quand le ballon est au sol, on n'a pas le droit de le prendre directement. Il faut qu'on le soulève avec l'autre pied pour le récupérer à la main. C'est ce qu'on appelle le pick-up. Quelques passionnés organisaient samedi à Brest le tournoi du Finistère. Sur le terrain, deux équipes engagées pour 10 minutes de match. Alors, comme le foot gaélique est un sport très complet, il y a beaucoup de qualités demandées. Il faut être rapide, endurant, assez grand si on peut pour aller chercher le ballon en hauteur, assez costaud pour tenir sous appui et voilà. Je ne sais pas du tout si on gagne ou si on perd, mais ça joue bien. C'est ça qui est important pour moi en tous les cas. Vous êtes essoufflé, c'est sportif le football. Ah oui. Vraiment, le football gaélique pour moi c'est retournement de situation possible jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. C'est vraiment dangereux comme sport. Donc ça court. Fin de la partie, les joueurs se saluent et, chose inhabituelle, débrief avec l'arbitre. Donc c'est une tradition, à la fin de chaque match, l'arbitre fait le débrief du match et on se met comme ça, un blanc, un adversaire, et on écoute comme ça l'arbitrage pour essayer d'avancer. Contrairement à l'Irlande, dans le Finistère, les équipes sont mixtes pour le plus grand bonheur des joueuses. Il faut réfléchir sur est-ce qu'on réceptionne à la main, est-ce qu'on réceptionne au pied. Et c'est un jeu qui est extrêmement rapide. Et ce que j'aime aussi ici, à Brest, au Broléon, c'est que c'est une équipe mixte. Le foot gaélique recrute. En France, en 2014, la fédération revendiquait 400 licenciés pour 22 clubs. L'Ouest est plutôt bien représenté, avec un club dans chaque département breton. On reste dans l'univers du sport, mais on part au bord de l'eau, dans l'instant sport. Ce week-end à Plouzané a lieu la première étape de la Coupe de France de bodyboard. Romain Arzel, vous faites donc partie du Minou Surf Club, le club organisateur de l'événement. Un mot d'abord pour ceux qui ne connaissent pas très bien le bodyboard. Malheureusement, il y a deux techniques qui correspondent à deux catégories de cette Coupe de France. Il y a la technique où on est allongé et la technique où on est à genoux.
Tout en gros, fait. C'est ça. C'est bien ça. Donc, en fait, le bodyboard se pratique donc sur une planche en pain de mousse qui est renforcée, bien sûr. Ouais. Et donc, il y a deux techniques. Donc, soit le prone, donc c'est où vous êtes allongé concrètement, ou alors le DK, donc le drop knee, qui se pratique à genoux. C'est quoi le plus difficile ? Le drop knee plutôt. C'est vrai qu'on a plus de sensations rapidement. Voilà. Parce qu'il y a un équilibre un petit peu. Il y a un équilibre plus, à avoir plus surf, particulier. Voilà. Alors, il y a 2 ans, la Coupe de France avait déjà lieu à Plouzanet, comme ça. On l'a vu hein, et on le verra encore sur les images. Qu'est-ce que les vagues de la rade de Brest offrent de si particulier ? Alors, bah, là, la particularité, c'est qu'en bodyboard, on recherche des vagues très creuses, de façon à aller. On appelle ça taper en fait la lèvre, donc c'est la partie la plus haute de la vague, ouais. Pour faire un maximum de figures aériennes. Hein, après, en compétition, en fait, elles sont notées de 0 à 10 tout au long de la compétition. D'accord. Mais ces vagues-là sont typiques du Nord Finistère ou... C'est vrai que les vagues bretonnes, notamment dans le Nord Finistère, sont riches de vagues creuses. Ouais. On trouve plus des vagues de rifs, donc c'est des vagues qui se forment sur des récifs. Et qu'on ne retrouvera pas forcément dans les Landes, où là, on aura plus des vagues de sable, en fait. Donc, dans les Landes, où se passent la deuxième et troisième étape de cette Coupe voilà, de France, il y a Royan. Il y a 3 étapes, en fait, de Coupe de France cette année. Donc là, il y a le Minou qui organise la première, donc le week-end de Pâques, le 26 et 27 mars. Mmh. Ensuite, mi-avril, on descend sur Royan. Et mi-juin, pardon, on ira à La Benne, dans les Landes. Dans les Landes. C'est ça. Alors, il y a aussi le champion de France, quand même, on va le dire, on est fiers, qui vient du Minou Surf Club. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un petit mot sur Yann Salin. Évidemment, il sera présent ce week-end. Tout à fait. Donc, Yann, en fait, c'est donc un peu la figure emblématique du club, parce qu'il a 24 ans. Là, il vient de Plouzanet. Et donc, il a gagné les championnats de France en octobre 2015, donc dernièrement. Donc, c'est un titre historique pour la Bretagne. Et donc, il sera bien présent donc, sur la compétition pour représenter la région. Et il y aura de la concurrence un peu rude pour Yann ce week-end. Il y a beaucoup de monde qui vient. Tout à fait. Là, il y a, je pense notamment à Martin Mouradian, un Guadeloupéen là, qui a excellé en fait, en drop knee, puisqu'il est vice-champion du monde. Ah oui. Hein, donc, c'est pas rien. Il y a également Maxime Castillo. Qui suit le championnat du monde en bodyboard. Donc il y aura la concurrence rude. Il faut qu'il soit en forme, Yann Salin, ouais, pour le 26. C'est vrai qu'il y a les félins du Mini Surf Club là, qui sont présents. Je pense à Stevie Baron, qui est vice-champion de Bretagne, ouais. Et à Titouan Alamani, Kevin Larouer également, hein, qui ont été titrés au championnat de France ouais. Dernièrement. Donc combien de concurrents en tout ? En tout, il y a 54 compétiteurs. Qu'est-ce que vous prévoyez ce week-end ? Parce que vous attendez des vagues creuses, mais si c'est calme plat cette semaine, même si on l'a vu dans l'instant TVNEC, il y a de la houle un peu résiduelle. C'est vrai, là, c'est assez calme là, en début de semaine, mais justement, on a de la chance. Là, normalement, il y aura du spectacle, hein, puisqu'il y a une grosse dépression qui arrive justement ce week-end. D'accord, mais merci de nous prévoir un week-end de pluie. Voilà. Un week-end prolongé. Vous voyez, voilà. Là, c'est les dernières images. En tout cas, pour vous, ce sera un beau spectacle, même s'il ne fera pas forcément très beau pour voilà, les balades. Un beau spectacle à découvrir à Plouzanet, donc c'est 26 et 27 mars. Il y a un village, tout ça, de quoi se restaurer. Donc voilà, vous retrouvez toutes les infos via notre site web www.tbo.bzh. Merci beaucoup, Romain Arzel. Et tout de suite, on retrouve la poule de Landerneau. Et oui, la poule de Landerneau, Muriel Avrit, l'automne dernier, vous avez lancé la poule. C'est un groupement d'employeurs consacré au monde culturel basé à Landerneau. C'est une première dans le Finistère. Le concept, c'est celui du travail partagé qui existe déjà dans d'autres domaines, comme l'hôtellerie par exemple. L'idée, c'est de cumuler plusieurs temps partiels. Donnez-nous un petit exemple pour qu'on comprenne bien, Muriel. Alors, un petit exemple qui s'est concrétisé depuis ces 3 derniers mois à la poule. C'est une secrétaire... une assistante administrative qui est partagée chez 3 adhérents. Donc c'est un temps partagé à la semaine, puisqu'il peut y avoir aussi des temps partagés à l'année, selon les saisonnalités des adhérents. Un temps partagé à la semaine, donc c'est voilà, le mercredi, je vais citer les adhérents d'ailleurs, parce qu'on est très fiers de les avoir comme premier adhérent. Donc le mercredi après-midi, c'est chez l'association Lin et Chanvre en Bretagne, qui se situe à Landerneau. Le jeudi... un jeudi sur deux, c'est la petite librairie, donc à Brest, très belle enseigne de librairie indépendante. Et le deuxième jeudi du mois, c'est chez Court Circuit, voilà, avec lesquels on vient de signer récemment
qui donc court-circuit, qui distribue les paniers bio sur Brest et sa région. D'accord. Donc on voit le profil des entreprises adhérentes, c'est voilà. Plutôt des petites structures, des créateurs, des gens qui n'ont pas besoin forcément d'employés à temps plein. Voilà, des structures qui sont aussi dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, comme l'est la poule, et en effet qui ont besoin de petits volumes horaires, mais récurrents. Quel est le profil des adhérents? Je crois que vous avez beaucoup de femmes. Alors, les adhérents, les candidats... Des salariés. Les candidats salariés. Donc, c'est vrai que depuis qu'on a annoncé la création de la poule, on a reçu spontanément beaucoup de candidatures spontanées. Et on a été assez surpris de voir qu'il y avait beaucoup de femmes. On a quand même quelques hommes, mais voilà, sur plus de 70 candidatures aujourd'hui, il y a au moins 90% de femmes. Et on s'est rendu compte que ce sont des femmes, la plupart du temps, qui sont en deuxième partie de carrière, qui ont eu pas mal de responsabilités dans des grandes entreprises ou services. Et en fait, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'elles ne candidatent pas par hasard parce qu'elles cherchent un travail ou à changer de travail. Elles ont vraiment envie de travailler en temps partagé. Voilà, elles recherchent aussi une autre forme de management qui soit moins pyramidale. Des femmes souvent qui ont été licenciées du jour au lendemain. Donc voilà, on voit à travers ça tout un mouvement social aussi, de personnes qui ont envie de travailler différemment. Nouvelle mentalité du travail. Nouvelle mentalité, peut-être aussi travailler autrement dans des lieux, pas forcément être tout le temps au bureau, privilégier aussi du télétravail quand c'est possible. Donc voilà, nous on a, en tout cas on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment ces candidats étaient sensibles aux valeurs que portait la poule sur une autre manière de travailler en salariat. Du coup, ce qui veut dire aussi, pardon, que les entreprises qui adhèrent pour rechercher des personnes ne trouvent pas non plus de personnes via un réseau plus classique d'intérim, de Pôle emploi. Enfin, c'est compliqué parce que déjà, on est sur une typologie d'adhérents qui ne fait pas recours à l'intérim. Dans les secteurs culturels ou industrie créative, même très rarement, on fait recours à l'intérim. On a recours à l'intérim plutôt. Et en effet, elles ont en plus des besoins qui vont être des petits volumes horaires. Donc, soit on arrive à bidouiller, ce qui est généralement le cas dans le milieu associatif, mais c'est pas péjoratif, c'est une réalité aussi. On connaît quelqu'un qui veut bien faire un temps partiel. Ou il y a du multisalariat aussi, c'est-à-dire que quelqu'un va travailler pour plusieurs employeurs, mais bon, bah, du coup, il va avoir 3-4 bulletins en fin de mois. Ce qui change, c'est cette structure, en fait, qui vous êtes garant de leur salaire, de leur sécurité de l'emploi. On gère tout de A à Z, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a identifié les besoins, on gère le recrutement, on gère les plannings de travail, on est l'interface permanente entre l'employeur, la structure employeuse, utilisatrice plutôt, et le salarié. Et voilà, on est là pour parer à tout problème s'il y en a, et la structure utilisatrice a une facture en fin de mois, et c'est tout. D'accord. S'il y a eu beaucoup de demandes de personnes, de salariés, demandeurs de temps partiel, c'est que du côté des entreprises, ça fonctionne bien aussi, il y a beaucoup de demandes des entreprises à adhérer dans le Finistère. Ça commence. Alors, il est sûr que le premier frein du groupement d'employeurs, c'est que c'est pas connu. C'est un dispositif qui existe depuis 30 ans, pourtant, mais qui reste encore trop méconnu. Donc, il y a pas mal d'actions, notamment au niveau national, cette année, qui ont pour but de faire connaître ce dispositif. Donc, c'est sûr que le premier objectif, c'est de le faire connaître. Ensuite, ça a été aussi une tâche qui a été menée durant l'étude de faisabilité pendant plus de 6 mois, où j'ai parcouru tout le territoire pour parler du groupement d'employeurs et notamment de la poule avec l'expertise culture qu'elle pouvait proposer. Des métiers de la culture et de la créativité, ça peut aller donc de projectionniste à assistant de direction, régisseur, c'est vraiment très très large en fait ce pôle de métier. C'est très large, ça va des fonctions traditionnelles qu'on appelle support, donc l'administration, de la compta, mais qui peuvent être spécifiques par exemple pour une société de production audiovisuelle, donc quelqu'un qui va en effet enregistrer des factures, mais qui va avoir une connaissance du plan comptable du Centre national de la cinématographie. Ensuite, on peut avoir quelqu'un qui va être dans des fonctions support, mais par exemple un chargé de gestion de projet européen. On en voit aussi pas mal dans les structures culturelles et on sait que c'est énormément de travail. Donc ce sont des gens qui ont des connaissances administratives assez larges, mais qui peuvent tout de suite être adaptables, qui sont adaptables avec une expérience aussi concrète dans le secteur culturel. On n'a plus beaucoup de temps, Muriel, juste une info. Pour l'instant, vous ne sélectionnez pas des CV, vous les acceptez tous. Oui. Et il faut savoir que vous observez un rayon de 25 km entre la personne qui souhaite travailler et son employeur. C'est ça, voilà, on essaie de sécuriser les parcours
autant dans l'accompagnement au niveau de la formation, mais aussi dans les déplacements, donc privilégiant la mobilité aussi par les transports en commun dès que c'est possible, proposant aussi au bureau à Landerneau, la pépinière, un lieu de travail, et puis voilà, faisant attention aussi de ne pas avoir plus de 30 km, 25 km à faire. Merci beaucoup Muriel, merci. On retrouve toutes les infos sur La Poule via notre site internet www.tbo.bzh et tout de suite on passe au Focus Programme. Ce mardi soir sur TBO, dès 20h45, rencontrer le couple qui a créé en 1969 l'unité de production cinématographique Bretagne. Précurseurs de l'audiovisuel breton, ils sont les premiers à témoigner des luttes et des combats régionaux. C'est le doc du mardi et on regarde tout de suite un petit extrait. On avait su qu'il y avait des politiques qui auraient aimé nous empêcher de faire ce film. Il y avait un désir d'arrêter et ça ne faisait que nous motiver. Quand on a su ça, on s'est dit, ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que, voilà, ça peut jouer un rôle. Donc là, on ne va pas lâcher. Voilà, c'est terminé l'instant T pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.